L'intérêt pour une personne qui ne connaît pas trop les réseaux sociaux, l'intérêt de s'y intéresser par rapport à son activité, hein, que l'on soit artiste, artisan, indépendant ou même travaillant au sein d'une entreprise, c'est, je dirais, un amplificateur d'audience. Parce que si vous avez votre site internet, c'est ce que j'appelle la maison mère, mon site internet, bon ben mon site internet n'aura jamais à lui seul une fréquentation en masse ou du moins suffisante pour attirer à moi des profils qui peuvent m'intéresser ou des clients potentiels. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser à bon escient les réseaux sociaux pour essayer en fait de ramener du monde chez moi. Ce que je dis, c'est que tout commence par mon site pour finir dans mon site. Mais les réseaux sociaux sont une étape intermédiaire. Je vais aller me positionner sur les réseaux sociaux car grâce à eux, mon message va être diffusé beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Mais la finalité, c'est pas seulement que l'on m'aime et qu'on me like, etc. C'est surtout que l'on vienne visiter mon travail, que l'on se rende compte de mes capacités et accessoirement que l'on me sollicite. Donc les réseaux sociaux vont avoir cette importance. En règle générale, les formations, ça va être soit une initiation ou soit un perfectionnement. Et puis, une fois qu'on a compris comment fonctionne un réseau social, on comprend aisément comment fonctionnent les autres, en sachant que chacun va avoir sa propre spécificité, mais qu'à hauteur de 80% globalement, ils font la même chose. Là où on va appeler sur Twitter, quand on va parler de tweeter, bah sur Facebook, on va parler de publier. Quand on va parler de partager sur Facebook, sur Twitter, on va parler de retweeter. C'est de la sémantique, mais finalement, c'est les mêmes fonctionnements. Eh bien, je m'appelle Younes Elghermaï, je suis formateur en réseaux sociaux. Ma vocation est celle du partage de l'information. Nous vivons une époque justement où ce terme est très présent. Les réseaux sociaux sont là pour ça, notamment le site web, notamment le référencement, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, etc. Donc voici un peu près, grosso modo, mon cursus.